Attendez, j'arrive, je me réinstalle. On va charger le... La partie! Merci à vous d'être là! Ah, c'est n'importe quoi. Alors, je crois que c'est la dernière saison de l'hiver. Il y a un événement qui va se produire, c'est l'échange de cadeaux surprises aux villageois. Et c'est Robin, la menuisière, la charpentière plutôt, à qui je dois faire un cadeau. Je vais sûrement lui faire un truc en cuisine, un gâteau, je sais pas quoi, un plat sophistiqué. Je serai vilain, je dirais. Elle aime pas, elle ira se faire en papaouté. De toute façon, j'aurai rien d'autre à lui offrir. Hein. Puis à vrai dire, je connais pas vraiment ses goûts, alors. Et ce jeu, je le joue à la manette. Parce qu'il est excellemment bien programmé. Allez, c'est la fête. Allez, vivre à la ferme, on veut la recette du jour. Je sais pas comment j'ai fait mon affaire, mais entre midi et deux, j'ai trouvé le moyen de me geler les pieds. Mais vraiment. Alors que j'ai la chance d'avoir le chauffage chez moi, heureusement. Tout le monde n'a pas cette chance, c'est triste. Hein. Mais j'ai les pieds gelés. Je sais pas comment j'ai fait pour geler mes pieds. Avez-vous déjà vu de droite les petits de brune sortir au sol, difficile à repérer parfois, souvent creuser à l'endroit, oui, je sais. Ne nous demandez pas comment ça marche, moi non plus, je ne veux pas savoir, c'est indécent ce qui se passe dans les... Oh Ingrid de neige, pays merveilleux. Ah, ça va me faire de la tunasse. Si tu veux... Attends, mais... What the fuck? Bah, je crois que j'avais une touche pour tout balancer. Enfin, bon, heureusement qu'il y a un truc de confirmation, c'est pas mal, mais... C'est pas ce à quoi je m'attendais, en fait. Réfléchissons bien. Donc, c'est la dernière saison de l'hiver qui va laisser place au printemps. Il faut que je garde un max de thunes pour acheter plein de graines. Même si j'en ai déjà en réserve. Putain, le machin-là, j'y crois pas du tout. Les plantations hivernales, je sais pas pourquoi, mais j'y crois pas du tout. J'ai l'impression que je vais me faire. Que le jeu va me la faire à l'envers. C'est super bizarre. Oui, oui, Zeus, mon chien, je t'ai entendu. Ah oui, à l'épisode précédent, nous avions découvert que Zeus nous aimait. On a eu au petit matin un petit encart Zeus vous aime. C'était trop choupinou, mais sur le coup, j'ai pas compris. La 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 la. La grotte de champignons, mignon. Ah, des morilles. Je sais plus, je sais que je fais quelque chose de sophistiqué avec les morilles, mais je sais plus c'est quoi. Mais je sais que les morilles sont précieuses, donc là d'en avoir eu deux, c'est presque jour de fête. Merde, elle a pas toute son énergie. Ah oui, je crois qu'elle était morte la journée précédente. Non, c'est le guac absolu. Ah oui. Et puis il y a la c'est pas français. Oh, je suis chié, je fous une... du pain. Je trouve du pain à Robin le jour de la fête. Apparemment, je pourrais faire qu'un plat de champignons. J'espère qu'elle va aimer parce que... Bon, c'est le mercredi, hein, je crois, la fête des villageois, là. Du moins, j'espère. J'ai pas regardé les confitures, elles sont toujours en train de fermenter, là, de... Ah oui. Bah, je ne peux rien faire. Pourquoi j'ai pas... Ah si, je les ai là, les champignons. Oh, l'énorme perte que j'ai eue en champignons, là. Oh là 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 là. Le drama. Souvenez-vous des épisodes précédents, c'était horrible. C'était terrible. C'était terrible.
La nature, toujours aussi généreuse. Ah oui, c'était... Oui, il me fallait un cristal rouge pour potentiellement déverrouiller les wagonnets. Ça, c'est intéressant aussi comme objectif. Mais je vais pas aller à la mine, là. Je vais aller à la zone que j'ai déverrouillée, là. Je sais plus où c'est. Tiens, attends, je vais passer devant le calendrier de Prout-Prout de Pierre. Qui va... Ah, tiens, il y a Gus, le... Ah non, c'est le jeudi la fête. Et demain, c'est l'anniversaire de Léa. Ok. Ah, bah alors, comment qu'elle va, elle? Il fait trop froid pour sortir. Oui, mais t'es dehors. Oh, j'ai failli louper le loup. Oh, mais il y en a partout. C'est extraordinaire. Non, moi, il faut que j'aille dans le... Ah merde, y a pas de chemin, là, je crois. Je suis coincé, non? Je sais plus. Attends, c'est quoi l'entourloupe? Wouah, c'est quoi ce détour de fou? J'espère que c'est une zone où on peut planter des arbres, hein, parce que... Je te dis pas la surface perdue le long de la rivière. Coucou, me revoilà. Comme le monde est petit, à Stardew Valley. Tous les chemins mènent à Pelicanville. Je serais peut-être bien de faire de l'opportunisme. Dans ce sens, je m'annonce dans le dernier sous-sol déverrouillé rapidement. Je regarde s'il y a... Parce que je crois savoir que c'est aléatoire. Voir s'il y a un cristal rouge qui s'offre à moi sans trop que je me fasse patater. Ça peut être intéressant. La vache, la richesse, toi. Oh, les notes secrètes de mes deux. Toujours rien que... C'est que le début, encore le d'accord. Ah, ah. Remarque, c'est un endroit où je peux aussi planter des arbres, visiblement. Je... Enfin non, c'est con, on perd en minerai. Autant planter les arbres ailleurs dans le village. C'est incroyable. Elle va dépenser toute son énergie dans la carrière à ciel ouvert. La magie de Stardew Valley. Ah! Oui, je sais, je commence à m'épuiser. C'est une honte, c'est un scandale. Dopage aux champignons mignons. S'il vous plaît. Attends, ça se pète ou pas? Non? Ah non. Ouais, c'est bizarre. J'ai caché. Alors attends, je vais tenter ma théorie dans la... Putain, il y a encore du houe là. Non, je vais pas dans la grotte de mort. Je vais pas me risquer à mourir 50 fois de suite. Là, j'en ai un peu marre. Je vais tenter ma chance dans le sens que... putain, j'ai plus beaucoup de place. Je vais voir si je peux avoir à coup d'œil d'entrée de jeu le truc en rouge, là. Il me faut le rocher rouge pour déverrouiller les wagonnets. Oh la vache.
ça sent pas bon. Et si je... Tiens, j'ai jamais essayé ça. C'est aléatoire ou il se souvient de... Ah non, c'est aléatoire. Hé hey, attends, c'est intéressant ça. Attends, quand je passe par là, je réinitialise. Donc je peux provoquer la chance en fait, non? J'ai l'impression que ça peut fonctionner. Merde, enfin c'est pas perdu, mais c'est pas ça que je voulais faire. D'ailleurs je vais prendre mon arme en main parce que si je me fais exploser d'entrée de jeu... Hop, ah bah là je suis... Je me serais fait couillonner. Vous allez entendre 10 fois le ding ding ding. Bon, tu me diras tant qu'il n'y a pas d'ennemis. Là, je vais gagner plein de rochers, c'est cool. Oh, sympa ça. Merde. Ah, 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 jette de lave. Ça peut être intéressant. Oh là là, ils sont coriaces ces ennemis. Ils sont redoutables ici. C'est bizarre que j'essaye encore un peu. Oh merde. Ah merde, j'ai plus de place. Qu'est-ce que je fais? Ouais, tu me diras... Ah oui, je peux peut-être jeter la note. Oh, c'est un peu con. Non, allez, je mange les racines de terre. Ah. Attention à l'heure dans le jeu, que je me fasse pas avoir. Merde, il y a un... Je vais dire, il y a un creeper. Non, c'est pas le bon jeu. Oh, c'est seulement... Si seulement je pouvais avoir une géode de feu... Enfin, une géode de feu, une... le truc muche de pierre rouge flamboyant de mes deux... Je serais le plus heureux... Non, allez, je vais rentrer parce que ça va finir en pure perte, mon truc. Allez, on se barre dans la mine. Dans la mine, dans la mine... Ah, il fait son petit feu de camp, Linus. Donc j'avais regardé la télé, j'aurais dû vider mes poches, moi. Ah oui, alors attends, il y a les notes.
Attends, j'ai encore un peu de temps. L'hiver. Les trucs d'hiver sont là. Un peu d'argent pour changer, enfin de fer, je sais plus ce que c'est. Là j'ai des trucs de monstres. J'ai hâte de lave. Ah oui, j'en ai plusieurs, je me souvenais plus. Ah. Et l'émeraude, on l'a rangé là, non? Ah non, on l'a rangé pas là. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas... Il faudra que je vérifie si j'ai pas fini les confitures. Du tout. Ah merde. À mon avis, je les aurai demain matin. Ah la vache, j'en mets du temps. C'est surtout les mousses qui rapportent. Je vais faire brasseur. Hein. C'est obligé dans le jeu. Vu le fric que ça me rapporte. Attends, comment je fais pour... Ah oui, c'est ça. Oui, le bois dur, j'ai le droit à des sous bonus. Les produits bio, il l'aura dans le baba. Oh! Alors ça, pour une surprise, c'en est une. Oh la vache! Ah non, le jeu me l'a pas fait à l'envers. Il a été honnête, droit, généreux, c'est beau. Bonne mère! Wouah! Ah merde, j'ai oublié de replanter le... Oh le lol, mais quel... Oh. J'ai oublié de relancer une production de prout-prout de houblon. Wouah! C'est énorme! C'est énorme! Comment ça? Non, je n'ai plus de houblon. C'est un scandale. Je vais utiliser le houblon. Non, ça, j'ai plus de houblon. Mais c'est le drame. Au printemps prochain, il faut que je fasse un champ complet de houblon. Vous êtes sérieux? Ah non. Ils ne sont pas sérieux. Alors je me garde le houblon en or, on sait jamais. Ah ouais, non mais non, mais... Non. Oh, la macération des fruits n'est toujours pas terminée. Oh. Salut, toi. Bouge de là, toi. Ah, elle a encore gagné des morilles. Donc c'est jeudi, la fête des villageois. Là, qui marque sûrement la fin de l'hiver. Bonjour, Jay. J'espère que tu vas bien, mon cher Jay. Bien, bon bah c'est cool. Ouais, moi je veux bien, merci. Écoute, déjà quand vous me voyez à l'antenne, c'est bon signe. Hein. Ça veut dire que dans l'ange, j'ai au minimum les nœuds en face des trous, comme on dit. Donc ouais, non, je veux bien, j'ai une bonne forme, je suis tout joyeux, donc le bonheur. Que demander le plus? Alors je sais pas si ça t'intéresse, mais à 16h avec Nayone, on va se faire du Command and Conquer Generals. Donc si tu veux te joindre à nous... Et que tu as envie de t'offrir pour ton goûter un scud délicieux dans la bouche. L'invitation t'est lancée. Tu peux participer avec nous à Command & Conquer Generals. À partir de 16h, hein, je me répète, mais au moins l'info est bien diffusée. Mais non, mais c'est pas là que je mets mes essences d'arbres, moi. Enfin, mes jus de sève concentrés.
Mon Dieu, mais j'ai fait n'importe quoi. Je suis perdu. Au secours. Yeah, je suis perdu. Alors, attends, j'ai un coffre là. Je vois des choses. On passe notre temps à faire du tri dans le jeu, c'est pas possible. Oui. Oui, oui, oui. Et ça. Alors, ça, c'est coffre vert. La morue ira dans mon frigo. La morue dans le frigo. Dans la doudi, c'est ça qui est beau. Doing. Par contre, la télé, je vais la faire tout de suite. Ça, je la gère. Oui, on est rien. Et demain, c'est quoi? Ah, neige demain, dis donc. Il y aura de la poésie dans l'air demain. Que faisons-nous? Réfléchissons. Il faut pas que je dépense mon fric. Il me faut un max de thunes pour les... pour le printemps qui arrive. Donc, exige les achats. Il faut garder le fric pour le printemps et les graines. Je peux éventuellement faire de la pêche, du bûcheronnage, ou aller à la mine et tenter d'avoir mon foutu caillou. Je serais motivé à faire le foutu caillou. Attends. Ah oui, non, j'ai peur. Merde, je pars avec l'arrosoir et le lingot. Oh, faute. Mauvais point. Je mémorise que je mets le lingot en trop et l'arrosoir là. Et les cailloux aussi, d'ailleurs, je peux en ranger un peu, là, faut arrêter. Direction la mine. À la mine, à la mine. Y'a rien, y'a pas d'autre. C'est vrai que je flâne rarement à la gare. Hein. Waouh, wow, bah fait peur, Alex. Qu'est-ce qu'il y a? Et tu peux aller voir aller et lui passer le bonjour de ma part. La blonde là, la comète. Oh, comment qu'il va lui? Es-tu venu pour te moquer? Mais non, mais arrête de dire des âneries, Linus. Je me tiens dedans de ce qui me regarde. Oui. Ok. Oh, il est rabat-joie. Tiens, tu veux pas un champignon mignon? Ah, bah voilà, il est content. Un fruit de l'hiver. Alors, provoquons la chance, comme je disais. Essayons d'avoir le caillou rouge que je convoite. Enfin, c'est plus un cristal, d'ailleurs. Qu'autre chose. Non, merde, c'est pas le bon instrument. Avec du cristal rouge. Avec du cristal rouge. Cristal rouge. Le cristal de la mura. Je commence à comprendre la logique du jeu, enfin de la manière dont il a été savamment conçu. En fait, il y a des modèles préétablis de galeries de grottes, mais ce qui est aléatoire, c'est le contenu dans les corridors, dans les cavités, les plantes, les cailloux, les ennemis. C'est très malin. Très, très malin. J'aime beaucoup cette logique de conception. Vous allez voir que je vais me faire défoncer à un moment, je vais me faire déboîter par un ennemi qui dit pas son nom. Putain, j'en reviens pas. Dragon Sky qui a déjà atteint le fond de la mine, le sous-sol 120. Le sous-sol 120. Da ga da ga da twa twa.
mâcher moi de cailloux. Je veux y mâcher moi de cailloux. Oula, oula. Merde. Mais arrête de m'engluer, toi. Putain, mais il va me buter, ce con. Putain, la vache, il m'a fait mal, cette Céwen. Violence. Ah oui, alors. Va te doper, ma grande. Bougoubou. Merde. Ça, c'est un sorcier vaudou. Sorcier vaudou va mourir. Je l'ai eu. Aïe, allez mourir. Voilà, il faut l'acculer dans un angle et pan, lui donner sa correction. Oh, rien à péter. Oui, c'est ça. En allemand, t'as raison. Mon dieu, c'est horrible. C'est doublement grossier en allemand. Je dis ça parce que je déteste la langue de Goethe. Pardon, mais... Ah! C'était le cri d'une chauve-souris. Et c'était pas Batman. Non! Non! Je refuse que tu viennes me hanter, vilaine bête. Ah, elles sont deux! Elles ont l'inconvénient d'être deux. Les sœurs stéréo, nous les avons retrouvées. La vache! Ah, je me fais toucher, l'ennemi me fait mal. Hein. Blablabla. C'est un scandale. Je connais pas cette zik. Elle est originale, la musique. Oh non! Ah, la v'là, la vilaine. On t'a vu, la vilaine. On tourne dans les enfers, la vilaine. Ah, je l'ai déchiré en deux. Faudrait que je prenne de l'avance sur le goûter. Tu fais ce que tu veux. Je sais pas quoi te répondre. À moins de négocier, tu sais, une trêve pendant la guerre. La trêve goûtée. Va pas dérégler ton organisme pour le jeu, Edge. Tu prendras ton goûter quand on aura envie. C'est pas grave, c'est pas... C'est pas la fin du monde. Ah! Alors c'est presque ça, sauf que la roche là, il me la faut en... Il me la faut en rouge. Avec ça, je vais déverrouiller les wagonnets là. Les fameux wagonouches. Oh, encore une géode. Non, mais je vais où comme ça? Je fais le tour de la. Trop bien, de l'or. C'est vrai que la semaine dernière, je crois que j'ai eu la chance dingue d'obtenir du diamant. La 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 la. Qu'est-ce que c'est que ce... Non, merde! Ah, je l'avais dans le bon sens, l'autre. Je l'avais de quoi le coincer dans l'angle, c'était le scénario idéal, et j'ai trop bougé avec le maillet, et j'ai pas pu me retourner. Allez, encore. Une dernière, on y retourne. Vas-y, Samantha, tu peux le patater. La force est en toi, Samantha. Comme ça. C'est la bonne technique. Ouais, on a gagné. 87. Oh, je suis fou, j'essaie d'atteindre le niveau 90 en sous-sol. Pourquoi il y a des torches? Il y a caca qui fait des rituels interdits. Des rituels interdits.
Et là, on découvre un pentagramme. Je sais plus comment on dit. Pentagramme. Ah ! Je dis oui. Encore un niveau, on y croit. Oh, il y a un plancher sur la droite. Oula, c'est quoi cette musique à la flûte de Pan, là ? Est-ce ceci que je cherche ? Ah non. C'est du topage. Dommage. Oh, c'est ça ! C'est ça ! Non ! Non ! Je refuse d'avoir l'inventaire plein. Ah ! On m'a jeté le mauvais choix. Non, j'ai goût. Non, allez mourir ! Allez vous faire en papaouté tous ! Non ! Non, je veux ce caillou précieux. Ah ! J'ai réussi. Oui ! Oui. Je file à la maison communautaire. J'en ai rien à péter. J'ai le caillou du guac. C'est ça qu'il me fallait. Comment ça s'appelle cette cochonnerie ? Le quartz de feu. Je vais pouvoir déverrouiller les wagonnets, moi. Ou attends, je le fais le lendemain parce qu'il me faut un lingot d'or aussi. Oh, trop content! On va déverrouiller les wagonnets dans cet épisode. Je vais danser la Macarena, moi, quand ça va être déverrouillé. Ça va être trop pratique. Est-ce que j'ai fait la truc aux champignons? Ouais. Ah ah. Il y a des gros vilains de la Muerte. Retourne parmi les morts. Je te reconnais, tu es le personnage de la pub de CGTEL. Tu viens pour me forcer la main et me mettre à crédit. Va mourir. C'est un peu ça. Alors attends. Attends, le jeu me retourne le cerveau lui aussi, il n'y a pas que Final Fantasy là. Oh là là, j'ai des trucs qui sont pas rangés au bon endroit. J'ai mis ce mode l'ultime. Attends, là j'ai de la sève. Topaz. Merde. Ah bah non, j'ai plus assez de bois là. Oui, bon, on va faire de l'or. Allez-en pour la nuit. J'ai rien de l'hiver. Non, j'ai rien d'hiver. Par contre, j'ai beaucoup des bestioles. Alors attendez. J'ai ça. J'ai l'essence du vide, j'ai ça. Les rochers, c'est pas là. Ça, je peux ranger ça. Merde, j'ai oublié de ranger le... pierre, algue. Ce serait plutôt là, je crois, les algues. Ouais. Ça correspond à la mer. Enfin, pour moi. Oui, il commence à se faire tard. Oui, j'ai compris. Non, il y a encore le mec de CGTEL qui veut m'agresser. Non, ils sont plusieurs. Non, je ne veux pas de crédit. Non, je ne veux pas me mettre sur la paille par votre faute. Retourne dans ta pub, toi. Voilà. Va mourir. Merde, il est déjà minuit. Ah. Attends, et les notes, il faut que j'apprenne à les gérer, les notes. Parce que j'en cumule, mais j'en fais rien. Oh, le stress. Alors, attends, la télé, elle dit quoi? Ah, une rediff de la Reine des Sauces. Le pudding aux prunes! Oui, je savais déjà faire le pudding aux prunes. Ah, j'ai reçu du courrier. C'est honteux. Il me faut mon lingot d'or et bastajarme. La maturation des fruits. Il faut que je récupère mon arrosoir.
Hop là. On va faire immédiatement les champignons. Ce sera... Oh, magnifique! Tous ceux qui me servent pour me doper dans la mine. Je ne pouvais pas rêver mieux. Ah! Alors, que dissimulent ces vers qui se battent? Ah, voilà. Voici une d'hiver. Que dit le courrier? Bonjour, ce matin, moi, ça fait des toiles hivernales, Robin, machin, 9h, place du Méjac, Merle, oui, suis, je savais déjà, merci du rappel. Blablabla. Voilà, c'est ce qui nous manque, c'est le lingot d'or. J'ai le lingot d'or, lingot. Et moi, je suis le dingot d'or. Attendez, je ne sais plus. Je ne sais plus, je suis perdu. Où je mets les pierres, c'est là. Ah oui, c'est là. Donc hop, là je vais mettre le quartz là. Mon lingot de fer, je vais le ranger. Prout. Je vais recycler le bois flûté. Enfin, sauf qu'un exemplaire aurait suffi. Attends, comment on fait pour prendre qu'un exemplaire? Je sais plus. Il y a une technique. Attends, à chaque fois, je vais sauter l'interface. Ah oui, c'est le X. Le X pour dire je veux juste un exemplaire. Et je vais aller à la maison de Prout. Il faut absolument que je déverrouille les wagonnets. Donc, à partir de là, les Juminos vont bosser durant la nuit prochaine et j'aurai ça bah, durant la fête avec Robin, là. Effectivement, ce sera l'occasion de faire la fête. Si je déverrouille ce schmilblick. D'ailleurs, il faut que je passe en cuisine. Soit ce soir, soit demain matin au réveil. Que j'oublie pas de préparer le plat que je vais offrir à Robin. Je me demande ce qu'elle va m'offrir. Ah! Attendez qu'elle m'offre un truc en bois. Merde, non. Mais non, je me suis planté, moi. Je vous parle et puis je vais vers la mine, moi. Instinctivement, comme un débile. Non, c'est en bas, là. Ah, j'ai pas pris le bon chemin. Comment perdre du temps, bêtement. Pariez combien que Robin, elle va m'offrir un truc à base de bois. Charpentière qu'elle est. Les wagonnets, c'était par là-bas, je crois. Non. Faut que j'arrête de dire je crois. Ah oui, non, ça c'est la thune, c'est le gros coffre-fort. Oui. Oui. Collection terminée. Bon. C'est un cadeau. Une fournaise. C'est un peu con. Mais bon, j'ai pas perdu. Voilà le quartz de feu. Oh. Yes! C'est énorme! Hein? C'est gros. Ah! Oh, ils vont réparer la chaudière! Ils vont d'abord réparer la pièce. Cette maison est abandonnée depuis des années. Les arbres s'y sont installés, nous aussi. Eh ben, merci d'avoir fait le ménage. Du tabon. Oula, il dit quelque chose en langage Geminos, là. Oh, la belle chaudière. Oh, il y a une jauge de contrôle et une valve. Il y a même une clé à molette derrière. Oh là là. La chaudière, elle est toute propre. Oh la vache, le contraste entre le mur de gauche et de droite. Violence. C'était quoi, ça? Ah, les amitiés. Alors, colorant, j'y croyais pas du tout. Paquet d'enchanteurs. Ça va être dur. Ouais, c'est la patte de lapin que j'aurai jamais. Ou très tardivement. Parce qu'avoir un élevage de lapin, fume. Les pommes, ça pourrait s'arranger avec le blé, ouais. Paquet fourrage pourrait s'arranger. Paquet du chef.
Alors, va trouver ces trucs, lui. Alors, elle, les colorants, le chou rouge, la perle de la mer et la plume de canard. Aquarium, ça aussi, il faut pêcher à donf. Oh, la jolie étoile! Bien joué, le Gemini. On joue à quoi? Il est rigolo, lui. Ouais, l'autre pièce qui a été refaite, elle est belle aussi. C'est la salle de jeu. C'est le salon des artistes. Ça, c'était quoi? Le cellier. Avoir une serre. Putain, c'est énorme. Wow, il y a tellement... Paquet à animaux, ouais. Plus tard... Oh là, oh, regardez-moi les machins. Oh, oh, puis les récoltes de qualité. Po, po, po! Revenez dans 5 ans. Oui, 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 moi aussi, je suis à la fête. On va, c'est bien, ils vont réparer les wagonnets la nuit prochaine. Youpi! Alors, attends, c'est le matin, on fait quoi? Je vais déposer mon matos. Du coup, je suis moyennement motivé pour la mine. Parce que comme j'ai l'objet que je convoitais... Ah, c'est 10 bois, d'accord. Oui, bah, je vais ranger ça. Géode mini, ouais. Pam, pam. Je mets ça là au pifomètre. Ouais, la mine. La mine. Ouais, je ferai le plat champignon pour le Robine. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle va me faire la gueule. J'ai comme un pressentiment que je vais me louper, que le plat va pas être à son goût. Comme un pressentiment. On est d'accord, c'est pas réparé ça. Ouais. La dernière fois qu'on le voit au service. Le nain, j'ai toujours pas de traduction sur son langage, monsieur. Zénix, oui, donut, zinuis, 8, t'as su. Non, je n'ai rien su du tout. Comment on fait pour savoir parler nain? Je m'interroge. Ah bah voilà. On va essayer d'atteindre le plus rapidement possible le sous-sol 90. Comme ça. Oula, il y a du monde. Oula la 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 la. Le sous-sol de tous les dangers. Je vais me faire niaquer. Comme un caca, je vais crever. Cette musique à la Café Jacques Vabre. T'as la flûte de pan qui me rend fou. Oh merde! Oh non, ça veut dire quand il y a le gaz grisou, il y a plein d'ennemis. Ah 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 ah!
Excellent. Oh, le coup de bol. Oh merde. Y'a le vaudou. Non. Va mourir. Non, tu vas mourir, le vaudou. Va mourir. Ah, ah, je vais me faire boxer. C'est la violence. La violence, la violence, la violence. Qui dit pas son nom. Oh la vache. Oh, j'ai eu 3 essences du vide. Non, il y a un autre sorcier. Non, mais arrêtez, vous êtes combien là? C'est quoi le club des sorciers ici? On sous-saute 88. C'est le club. Le club des sorciers. Je m'en vais tous prendre mon courage à deux mains, les patatés. Il est où le deuxième? Vilain sorcier qui boude et qui me tourne le dos. Va mourir. Oh la vache! La récolte d'essence du vide. Et je me barre. J'y suis presque. Oula! Oula, lui il va me poser problème. Monsieur Caillou ayant des pieds. Attends, faut que j'évite de lui faire du rang dedans. C'est un peu douloureux. C'est quoi ça? Oh! Une jolie oubi! C'est une jolie oubi! Et c'est quoi? C'est tout nous? Merde! Danger, 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 danger! Oui, voilà! Comme ça, si j'arrive à les mater un peu, c'est bien. Non, mais me rajoutez pas une chauve-souris! Surtout que celle-là, c'est la chauve-souris de la moitié, elle va m'avoir dans le dos. Non, mais c'est dégueulasse! Non, mais je vais me faire grand-banguer là, arrêtez! C'est un scandale! Ce jeu est un scandale! Ah! Vite! Le pire, c'est que j'ai mon énergie, mais c'est ma santé qui est quick. Voilà, ça c'est la bonne technique. C'est comme ça qu'on fait. Ah. Allez, je vais la voir, mon sous-sol 90. On y croit, et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oh! C'est quoi la récompense? Oh! Tout est d'obsidienne aujourd'hui. J'avais reçu la lame d'obsidienne. Est-ce qu'elle fait bobo bobo ou bobo bobo? Alors moi, mon maillet, il fait jusqu'à 24 de dégâts. 45 de dégâts! Mais moins 1 en vitesse. Ah, alors que lui, j'ai plus de... Il faut que je jongle entre tout. Mais c'est sympa. Oh la vache. C'était juste pour voir ce qui m'attendait pour les prochaines fois. Ouais, c'est bien, j'ai dévoilé le truc. Oh, c'est trop bien. J'adore. Wouah. L'épée du démon. J'ai l'épée du démon. Oh! Du où? J'irais presque offrir l'éclat de machin au mage là. Parce que j'aimerais bien en faire mon copain, le mage. Ah ouais, mais non, mais j'ai ma ferme à gérer. Ou alors j'y vais vite. Mais j'ai une part de prise de risque hein, en faisant ça. Bon, je garde l'épée en main, mais. Tu vas voir qui va fermer sa porte à 22h. Et non, je suis au dodo dans une autre dimension. Monsieur le sorcier. C'est quoi ça? Ah non, c'est le panneau qui a gelé. C'est vrai, c'est un panneau directionnel. J'avais zappé. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bonjour Manekineko, j'espère que tu vas bien. Bon dimanche à toi. Ouais, merci pour le petit coucou. Ça, c'est du ou. On va plus rien voir. Merde, ça va être la nuit noire. Ah. Ah, c'est quoi ça? Merde! Inventaire plein! Ah, ah si, je peux aller venir le voir. Attends, je vais lui offrir son essence du vide, il en raffole. Voilà, il m'a fait un petit cœur. Très utile pour mes recherches, plein d'énergie arcanique. Qui voulait me dire d'autre?
Il faut des années d'études pour comprendre la langue des élémentaires. Oui, tu peux pas m'aider? Oh là là, une vie des fins acharnées. Bon, allez, je vais le laisser. Ah, toujours le même tourne-disque. Monsieur le sorcier. Oh, qu'est-ce que j'ai vu? C'était quoi? J'ai cru voir un fantôme furtif. Trop bizarre. Ça, c'est le genre de truc, je me fais un plaisir de faire un arrêt sur image quand je vois mon ralenti après. Ça va, merci. Comment on dit... Bah, ça va bien ici, tu vois, on est peinard pépouze, donc merci. Ah oui, merde, inventaire plein. Oui, bah tant pis. J'avais qu'à vider mes poches. De toute façon, il faut que je gère mes confitures, moi. Faut que je gère mes confitures. Ah! Gros vilain. Ah non, je suis... Voilà. J'ai été englué. Oh! Et puis mes mousses qui sont prêtes. À moi la fortune. Alors attends. Le truc de l'hiver. De l'hiver, de l'hiver. Ça c'est l'hiver. Le butin des monstres. C'est ici. Aïe. Attends, je suis mal assis. Oh la vache! Oh la quantité folle de trucs des ondes que j'ai récolté en une seule fois. J'en reviens pas. Je ne reviens pas. Ouais. Non. Ah bah tiens, il y a une chauve-souris. Non, c'est pas pareil qu'il fallait. Il fallait que je la patate. Merci. Push que le repeteux. Ouais, je vais mettre ça là. Attends, coffre de la mer. Ça, c'est des algues. J'ai mon boxon de la nature qui est là. Non, là. Oui, alors j'ai regagné une aile de chauve-souris qui se range ici. Je peux ranger le lingot aussi. Oui, alors les mousses. Attends, il est déjà 23h dans le jeu, la violence. Ça, c'est fait. Merde! C'est... Ouais, non, c'est pas grave. Attends, je clique avec une frénésie folle. Ah, il va être minuit, mais c'est pas possible. Non, je veux pas manger la mûre, je vais la faire gélifier en confiture. Putain, j'ai encore gagné. Alors, on va là. Donc, je vends la bière et les gelées de mûre. Tiens, allez, pour le fun, une aile de chauve-souris. Et dodo. Alors au petit matin, faire la... Oh. Ah bah oui. L'animation des Geminos. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est le Noël. C'était l'animation de Noël. Voilà, j'offrirai des champignons frits à Robin. C'est à 9h, place du marché. Ce qui me laisse... Oh, le temps de récolter de la résine. Eh, j'ai pas fait le tour de mes arbres, moi. Merde, j'ai peut-être de la résine qui m'attend depuis un petit bout de temps et je l'ai pas récoltée. Attendez voir que je fasse le tour de ma propriété avant d'aller à la fête, là. C'est pas comme si j'avais des trucs à... Oh! Un totem de téléportation, c'est énorme. Le jeu devient tout fou. Il m'offre de ces choses. Non, j'ai rien en récolte. On voit que des sapins vont pousser. Bon, là, j'ai toujours pas la pioche pour péter le météore de mes deux.
Ça aussi, c'est un... C'est un mystère le plus absolu. Oui, je suis mal, voyouche. Alors, les... Oh là 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 là. La boche champagne. On leur dit pas non. La boche champagne. Oh, le pauvre chien, j'ai oublié. Je crois que le jour précédent, j'ai oublié de lui arroser la gamelle. Le pauvre, il a dû crever de soif en hiver. La honte. Et c'est ainsi que Zeus le chien finit par lécher le sol pour pouvoir se ravitailler. Alors attendez que je ne me plante pas. Les champignons, je les range là. Oh non, les morilles, je vais les mettre dans le frigo, les morilles. C'est truc de l'hiver, ça c'est... Non. Truc de l'hiver. Carton de téléportation à la ferme, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Dans les minutes, j'en ai pas besoin. Oh tiens, en plus c'est mon deuxième. En plus, je range le lingot de mes deux. Oui, voilà, je vais changer contre l'or parce que... Le temps que je m'amuse à... Voilà. Ouais, ça va être le début de la fête. Je range les morilles dans le frigo et j'arrive. On va aller faire la fête. Non, je vais pas ranger la rougeur dans le frigo, non. Ah, puis le coup des notes secrètes. Je vais essayer de m'en faire une. Comment ça marche, les notes secrètes? Ça me bouffe. Ah! Il faut appuyer sur X, comme on l'a dans l'inventaire. Alors, attends, il y a une jolie photo. Alors, attends, on est... Ah, mais c'est quand elle était plus jeune, là. C'est... Mais attends, elle était... Non, c'est sa fille ou c'est sa nièce? La petite puce qui est aux côtés de... Attends, c'est Marnie, hein. C'est Marnie, celle qui gère les animaux. Celle qui habite un peu plus bas, dans le village. C'est qui la puce sur la photo? Ce serait sa nièce, mais qui sait? Le mystère de Stardew Valley. Il y a plus de mystère dans Stardew Valley que dans les feux de l'amour. Et en plus, ça dure tout aussi longtemps. Waouh! On va devenir tout fou. Place du village? Qu'est-ce que je vois? J'ai vu quelque chose galoper, là. Il y a un truc qui a voulu prendre... Ou quoi, plus? Ah! Alors le wagonnet, on le fera après la fête. On va d'abord aller à la fête du village. C'est la fête au village. Gna 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 gna. Diradiradiradou. Oh, c'est beau! Il y a des sucres d'orge géants. Bienvenue à la fête de l'étoile hivernale. Aujourd'hui, nous devrions tous être reconnaissants pour la bonne fortune que cette année nous a apportée. Oubliez vos soucis pendant une journée et détendez-vous. Merci, monsieur le maire. Oh, la poche trône du village. Meuf, je suis toujours contrarié de ne pas avoir gagné le concours de pêche sur glace. Oh, l'autre. Elle a la tenace rancune. Enfin, elle a la rancune tenace, pardon. Bon, bref. C'était les bons mots, mais pas dans le bon ordre. Quel arbre magnifique. Oui. Veux-tu entendre la légende de l'étoile hivernale? Oh oui, fais-nous rêver, Willy. Dans le ciel étoilé d'hiver, il existe une étoile visible uniquement dans cette vallée. Personne ne sait pourquoi. Mais autrefois, les gens venaient de loin pour la voir. Ils croyaient que quiconque qui poserait les yeux sur l'étoile hivernale aurait la chance de faire bonne fortune toute l'année suivante. Certains prétendent même que le fruit mystérieux connu pour sa forme étoilée est lié d'une certaine manière à l'étoile hivernale. T'as encore d'autres histoires là? C'est pas mal, parce que j'ai bien aimé. Alors, Marlon, tiens, bonjour. Ok.
Je viendrai bien avec toi, mais je pense pas être le bienvenu. Oh, Linus! Oh, il est terrible, ce mec. Je ne peux pas fouiller les poubelles les jours de fête. Elles sont scellées. Non! Je cherche à m'enfuir. Ils ont vraiment tout bien barricadé. Ah, 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 je peux me barrer? Non. J'ai cru. Il n'y a pas des choses de cachées par endroit. Je me méfie. Je me méfie des apparences. Ah, ah bah tiens, ah oui, je l'avais oublié, elle, la blonde. J'aurais dû lui dire bonjour là, de la part de je sais plus qui, du beau gosse. J'espère qu'il y a un nouvel appareil photo pour moi sous l'arbre des esprits. Oh l'autre. C'est un montage, j'espère que... Qu'espères-tu trouver sur l'arbre aux esprits, me dit, je sais plus son prénom, Emily. Un nouvel arrosoir, un pichet d'hydromel épicé, une paire de bottes à la mode. Un nouvel arrosoir! Du travail et pas d'amusement? C'est pas très drôle. Eh oh, si tu peux lier l'utile à l'agréable, merde, quand t'as des bons outils, tu travailles bien, avec plaisir, eh oh. Elle est bizarre, elle. Salut, George. Une fête pour une étoile stupide, sottise. Alors tiens, le coup de... Ouais, moque-toi, Edge. Le coup de l'étoile qu'on voit seulement depuis Stardew Valley, ça me rappelle des légendes qui sont liées au Japon, avec le sud du Japon, là où ils ont des justement des climats tropicaux, ils ont des palmiers. Je sais plus. L'île du Sud, c'est... Oh, je devrais savoir, j'ai un trou de mémoire. Bref, il y a... En astronomie, il n'y a que là qu'ils peuvent voir un certain jour de l'été la croix du Sud dans les constellations. Et il y a plein de légendes liées à ça au Japon là-dessus. Pa-pa-la-pa. Oh, bien le bonjour. Alex qui fait la gueule. Bon, d'accord. Merde, on a loupé son anniversaire à elle. Gus m'a raconté comment il fabrique ses sucres d'orge d'Isana et bye, ok. Et ah, le prince à Chocobéenne. Bien le bonjour, Samantha. Il fait froid, n'est-ce pas? Ouais. Alors, Gus le cuistot. Fabriquer les sucres d'orge est un art raffiné. Vous devez parcourir les contrées et trouver les meilleurs ingrédients. Ils ne sont pas si faciles que ça à trouver. Oh, l'autre, il se la pète. Oh, King de Forgeron. Soupir, toutes ces familles heureuses, pour moi, c'est juste une autre année de solitude. Oh, mais alors... si je faisais copinou avec le forgeron. J'ai fait la connaissance de gens qui croient aux esprits et à la magie. Si moi j'y crois, je n'ai rien vu que la science ne puisse expliquer, dit Shane. Il est très cartésien, Shane, on lui donne raison. Le médecin Harvey. Je suis reconnaissant qu'il n'y ait pas eu d'urgence médicale cette année. Oui, tu m'étonnes. Abigail, la fofolle. Rien de tel qu'un repas bien chaud lors d'une froide journée d'hiver, n'est-ce pas? Caroline qui dit « Oh, je crois que j'ai bu un peu trop de lait de poule. » L'autre, ouais, elle est en joie, là, devant sa fille. Oh! Bah alors, Pierre, tu vends des trucs? Oh, mais c'est pas le... Oh, merde. Fenêtre avec rideau, ça fait envie. Mais non, faut que je garde ma thune pour les récoltes de la du printemps suivant. Encore que, il y a une plante d'intérieur. Ah! Il faut que je fasse richesse dans la brasserie, moi. Il faut que je fasse richesse, fortune dans la brasserie. Ça, l'année suivante, je pourrais tout faire. À acheter du matos et des graines et tout. Lambris rondin, arbre de... Quoi de... Attends, l'arbre de l'étoile d'hiver est plus gros que le sapin, je crois, non? Ah oui, c'est un petit sapin. Là, c'est un gros sapin. Sapin taillé. Mince, je me suis fait mal à l'œil. Avec mes âneries, je me suis brûlé l'œil. Bien fait pour ma gueule. Ah, alors Malo. Bonjour Samantha. Oui. Le beau gosse, Sam, il dit. Pour ma guitare et mon skateboard. Oh, et puis ma famille aussi, je suppose. Oh, l'autre. Je lui ai déjà parlé à elle, hein, je crois. Ce n'est pas la meilleure période de l'année pour me mettre au régime. Ah non, je lui avais pas parlé. Le gamin, qu'est-ce qu'il dit, Vincent? Comment je fais pour le rejoindre là? Je comprends pas. Ah oui, il faut que je fasse le tour. Attends, je m'adresserai en dernier à Robin, puisque c'est à elle que je dois mettre le cadeau. Passer du temps avec sa famille est parfois fatigant. Oh, ça parle mal. Démétrius, je vais probablement encore avoir une nouvelle boîte à outils cette année. Soupir. Oh l'autre. Alors le petit jeune, il dit quoi? D'ailleurs, elle est où sa sœur? Pouvons-nous ouvrir le cadeau maintenant? Tu m'étonnes. Et je me suis fait mal à l'œil, hein. Je suis désolé de me gratouiller l'œil en direct, mais...
Ah merde. Donc, vous allez voir que je vais me faire une inflammation. Attends. Elle est où sa petite sœur, Jazz? Ah, elle est là. Elle est là. Oh, les cadeaux. Bon. Et enfin, je vais aller voir Robin à qui je vais offrir le cadeau. Voilà. Je lui donne le champignon frit. Oh, c'est toi? Ah, champignon frit, merci. Elle est polie, elle est neutre. Elle s'est pas enthousiasmée en disant les cotillons, tout ça, mais... Ah merde, c'est à mon tour d'avoir un cadeau. Oh! De la part de Pierre. Trop fort. Oh, Pierre, il peut m'offrir plein de trucs. Ah, Samantha, je suis ton Père Noël secret cette année. Eh bien, ouvre-le. Qu'est-ce qu'il m'a offert? Oh! Ouais, sympa! Ah ouais! 10 lots de croissance rapide x2. Merci! Ah ouais, ça fait plaisir! Ouais, si, bien vu! Ah oui, ah oui! Ah oui, tu m'étonnes qu'elle est heureuse, Samantha. Ça va augmenter sa productivité. Oh, il est trop chou! Excellente idée de la part de Pierre! Ah bah, elle est bonne, celle-là. C'est le commerçant qui me fait un cadeau. Shabao! Bon, ils disent toujours la même chose, je présume. Oui, ils ont plus rien à dire, en fait. Hop, derrière le comptoir. Eh ben, merci, mon grand. Mes chiffres de vente ont été phénoménaux ces derniers temps grâce à la fête de l'étoile hivernale. Eh ben, c'est bien. Bon, monsieur le maire, c'est fini. On arrête tout, on remballe. Ah, ah, je me glisse entre les deux. Bon, allez, je me barre. Je me barre. Oui, c'est bon. C'est la fin du festival. Bouh. Merde, il est déjà 22h. Putain, c'est apprécié. Alors là, le coup de l'engrais, c'est vraiment sympa. Putain, la vache, puissance 2. Taux de croissance d'au moins 25% mélangé dans le sort de labo. Ah, très très bien. Très très bien. J'adore le cadeau. Ah oui, il faut que je range dans le coffre hivernal le crocus. Et du coup, bah demain, on va tester pour la première fois les wagonnets. La joie de la téléportation. Avez-vous déjà eu envie de fouiller dans les poubelles de votre voisin, Burke? Eh, si c'était votre truc à vous, ne faites pas quand il y a quelqu'un dans les parages. S'ils vous remarquent, ils seront sérieusement dégoûtés et se ragnera à vos amitiés. Sauf si c'est leur truc à eux aussi. T'organises le gang des fouilleurs de poubelles. Allez, il est 23h, on va retourner les poubelles de la ville. Ouais. Oh, le bordel. Ah, encore de la lecture. Bonjour Samantha, je veux faire du ragoût de poisson, mais ils me font un thon albacore. Je sais que c'est pas la saison. Désolé de te prévenir à la dernière minute. Peux-tu en attraper un pour moi, Gus? Est-ce que j'en ai pas en réserve du thon albacore? Faut que je regarde mon coffre de cuisine. Là, le coffre bleu turquoise, c'est mes poissons. Est-ce que j'ai de l'albacore? Sardine, hareng, flétan. Ah, j'ai un albacore. Et ben voilà. Et ben, je vais lui donner à Gus. On va aller le voir. Enfin, on va attendre qu'il soit 9h quand même, parce que le pauvre a peut-être pas ouvert son établissement. Là, il est en train de se lever, de prendre sa douche, de faire son café. C'est intéressant. Merde, j'ai rangé où j'ai rangé mon arrosoir, moi, hier, c'était... Ah si, je crois que c'est à côté de la... Du houblon, le coffre à houblon. Là où il y a les fûts. Faut que je donne de l'eau au chien. Sinon Zeus va me faire la tronche. Non, merde. Au pied du lit peut-être. Oui, c'était au pied du lit. Allez, on va ouvrir une autre note secrète. Une note secrète par jour. Oh, un texte. Alors, c'est une page du livre de Monsieur Jasper.
C'est qui, monsieur Jasper? On raconte que les créatures, connues sous le nom d'esprit de la forêt ou Duninos, apparaissent dans des bâtiments abandonnés après que leurs graines soient tombées. En règle générale, quand les humains sont partis et que la nature reprendra possession de son territoire, les Duninos apparaîtront. La croyance populaire raconte que les Duninos possèdent une sorte d'affinité avec les pierres précieuses qui sont placées à l'intérieur de leur petite hutte. Bien sûr, toutes ces affirmations proviennent de sources douteuses, non vérifiées. À ma connaissance, la simple existence de ces créatures n'a jamais été prouvée. Les Duninos. Les Duninos. Allez. Non. Mais non, mais... Arrête de vouloir manger le houblon, Samantha. Elle est droguée, elle le fume. Ça parle mal. Les Duninos. Oui. Alors, attends, des balles. Bon, allez, je vends ma bière blonde. Ça, ça carbure toujours. Le chien. J'ai pas osé aller mettre du chien. Oui. Alors, bouge de là, mon gros. Parce que si tu veux que j'arrose ta gamelle... Oh non, mais me fais pas attendre. Non, mais t'es nul. Zeus, bouge. Zeus, tu vas bouger. Je peux pas arroser ta gamelle, mon gros. Merci. Allons voir le cuistot barman. Quoi? Qu'est-ce que... Une vègre? Oula. Ah, si j'ai... Eh, attendez. Si j'allais voir Gunther avec les trucs bizarres... Non, pas ça, mais... Attends. Il y a quoi que j'ai pas mis auprès de Gunther? Ah, Gunther ne connaît pas le diamant. Ah, l'artefact rouillé. Ah, ça non plus. Ah, il y a plusieurs choses que j'ai pas présentées à Gunther. Eh ben, je vais pas me déplacer pour rien. Alors, le thon albacore, c'est pour le cuistot barman. Il doit être dans son saloon. Merde! Il ouvre qu'à midi. Ah, le con. Fouillons les poubelles honteusement. Bon, je vais aller voir... Oh! Bah, j'ai eu du bol, l'autre, il sortait de chez lui. Il a failli me surprendre. Salut, toi, Miss Penny. Ta-da-ta-ta-da-ta. Ouais. J'ai plein de dons à faire au musée. Oh, le diamant. Le diamant d'innocence. Bah. Oh. Merde, il est où le curseur? Bah. Attends, j'ai eu un bug. Ah non, merde. J'ai eu peur. Oui. Oh là là. Treasure Trove, Donate. Ah oui, il faut donner 40 items, 40 trucs au musée. C'est un record, enfin c'est un succès. Un item. Oui, on a les descriptions, on verra plus tard. On n'a pas le temps à perdre. Allez hop. Alors, oh! Un squelette et un épouvantail. Wouah! Putain, l'épouvantail, on dirait trop un totem de. À la Koh-Lanta, machin. Ah, on va tester le wagonnet. Ah! Alors, les mines, l'arrêt de bus, la carrière. Putain, c'est trop bien. Allons à la carrière. Il y a un peu de cailloux à casser. Il y a des arbres à zigouiller, d'ailleurs. Eh, hey, sympa! Ah, c'est trop bien. Oh, mais oui, mais il y a beaucoup d'arbres à zigouiller en fait.
Mais c'est pas mon terrain, on est d'accord que la carrière, j'aurais pas le droit d'y cultiver des végétaux. Ben, je pense pas. C'est vraiment que pour du caillou. Ou alors, ce serait une exploitation frauduleuse et honteuse hors propriété de terrain. Imaginons que je puisse déposer des objets utiles comme mes tonneaux de fermentation, là. Ce serait abusé, je garderais dans ma propriété du terrain pour les cultures. Il y a quelque chose... Je suis sûr qu'il y a des trucs à filouter dans Stardew Valley. À voir. Tant qu'on n'a pas testé, on peut pas être certain de plusieurs trucs. Ce jeu est trop mystérieux. J'ai trouvé un bouquin perdu. C'est merveilleux. Je vais être plus vicieux que ça. Je vais pas faire une note secrète par jour, mais par semaine. Donc là, j'en lirai plus. Parce qu'il y en a peut-être pas tant que ça. Mais je pense que c'est une dynamique sympa de découverte du jeu, d'y aller tout doucement. Et de faire une note secrète par semaine virtuelle. Ça me plaît bien comme Eh ben dis donc, en plein hiver, elle fait sa bûcheronne. Elle est extraordinaire, Samantha. Elle en abat du boulot. À défaut d'abattre du chêne. Oula, lui il est par... Oh, oh! J'ai la graine en lévitation dans le vide. Vous avez vu ça? Cette magie du démon. La 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 la. Je vais boucher l'entrée. Ouais, on peut faire des trucs, hein. J'ai condamné l'entrée de la grotte avec un squelette. C'est rigolo. Ça me plaît beaucoup. Oh, le petit oiseau. Le voilà, caillou, noyau. Attends, je vais couper dans l'autre sens parce que sinon je vais perdre la récolte des trucs. Ah, c'est pas idiot d'anticiper, Nayone. Si effectivement Edge est dispo. Et j'ai pas lancé de mon côté Game Ranger, c'est vrai que j'ai pas pensé. Non mais c'est trop bien le wagonnet. Arrêt de bus. Voilà, hop, direct, je suis chez moi. Oh, trop bien. Comment que je gagne du temps. Merde, j'ai oublié de donner le poisson custo. Alors attends, je vais tester le wagonnet pour aller direct en ville. Il voulait du thon albacore, là, l'autre. Il est où le wagonnet? Ah merde. Ah ouais, oui, ouais, ok. Non mais je valide, j'accepte, mais... Putain, la vache, c'est pas la porte d'à côté. C'est quoi les défis de la semaine? J'ai même pas regardé. Substance curieuse, ectoplasme, et l'autre, c'est quoi? Des pierres précieuses rajeunissantes. Quoi? Oula. Oh! J'ai gagné une baguette de pain. Bah tiens, je vais la bouffer. Allez, hop. Elle aura pas le temps de rassir, celle-là. Énergie directe. Attends, il est où le bar de trucs mèches étoilés? Salut, Emily! Si j'étais pas si occupé, je t'aiderais à creuser dans la grotte au bord du lac. Quoi? Je t'aiderais à creuser dans la grotte au bord du lac? Attends. Là, elle vient de me neutraliser le cerveau. Je t'aiderais à creuser... La grotte au bord du lac. Carte. Le lac, il est où? Il est là, non? Ah, c'est ça, peut-être, le lac, non? La grotte au bord du lac. La grotte au bord du lac. À part les mines,
Ok. Il fait froid dehors, mais le café est chaud, ouais. Alors attends, mon grand, je vais te donner ton albacore. Renif, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Quelque chose sans albacore. Ah! Ah, tu en as trouvé, merci mille fois. Les affaires ont été vraiment bonnes ce soir, je suis très content. Eh bien, c'est bien. Ah oui, c'est vrai qu'elle est serveuse, Emily, ici. Elle est cheveuse. Da, 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 da. On ferait la rime pour Nash. Emily, elle est cheveuse. Elle ne sert que de la chartreuse. Tous les clients sont pimpettes, la malheureuse. Elle ne sert que de la chartreuse. Bon. Alors, ragoût de poisson, 400 pièces d'or. Voilà, une bonne chose. Ah oui, alors attends, les quêtes. Alors, pêcher un calmar. Attends, j'en ai pas du calmar. Apporter un. Mais non, je peux pas abandonner la quête. Nuit. J'ai pas un calmar dans ma. Faudrait que je repointe. Alors, panier de mur. Pff, tout au fond, un jour on y arrivera. Friandise de vache. Pff, pas ma soif. Ah, mais je peux apporter à Pam une mousse. Oh, la mousse de Stono, je lui réserve pour la prochaine fois. J'avais oublié que j'avais cette quête là. Mon Dieu, de l'intérêt de se relire. Mon Dieu. C'est comment déjà les tonneaux? Oh, résine de chêne. Mais attends, mais j'en ai de la résine de chêne, non? De la résine de chêne. De la résine de chêne. De la résine de chêne. Oh! Ah oui, j'allais dire, j'ai beaucoup de bois. Oui, vas-y, avec tout ce que j'ai abattu comme arbre. Bah, j'ai bien fait, tiens. On va continuer à faire du charbon à gogo. À gogo, à gugu, à gaga. Alors, tac, 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 tac. Oui, j'ai rangé le... Ah oui! Bah tiens, je vais me gêner, moi. Je vais t'en faire, moi, des tonneaux. Pour faire des tonneaux de fermentation, il nous faut... Il nous faut quoi? Il nous faut quoi? Lingot de fer, lingot de cuivre. Ça va vite s'arranger. Prends-moi. Alors, deux lingots de fer, deux de cuivre... Je range celui d'or. Et la magie du démon. Non, pas ça, ça. Ah oui, j'ai de nouveaux tonneaux. Alors, je vais essayer de faire un truc cohérent. Et je les ferai tourner en même temps que tous les autres. Encore que non. Non, rien ne m'y oblige. Tant pis si c'est asynchrone, hein, mince. C'est pas un souci quand on y pense. L'autre, il voulait. Il m'a dit quoi? Merde, j'ai oublié le nom. Ah oui, c'est un calmar. Alors, est-ce que j'ai un calmar en magasin? Oui, non. Je fais un accord de l'anana en flétant en amèbe, un sardine. Crabe, concombre de mer, flétant, rougé. Alors, non, j'ai pas de calmar. Non, calmar, c'est un poulpe. J'ai pas. Demain, il fait neige. Demain, il fait neige. J'ai quoi dans mes coffres intérieurs? Je sais plus. Ah! J'ai les anciennes épées. Ouais, j'ai le... Ah oui, c'est le flétan de luxe. J'ai le flétan ultime. Y a ça. Bouclier suspendu. Vraiment? Ah, je peux le mettre là. Ouais, vas-y voir que je le mette à l'angle, le bouclier suspendu en déco. Merde! Oh. Voilà. Ça fait un angle bizarre, mais c'est un angle.
Ah, puis j'ai le... Je l'ai rangé. Ouais, j'ai rangé le... l'épouvantail de collection, là, le numéro 8. Le numéro 8 en cadeau. Est-ce que j'ai fait la grotte? Est-ce que j'ai fait la gamelle? Ouais, j'ai fait la gamelle. Je vais d'ailleurs ranger l'arrosoir là-dedans. Et j'ai dû faire au début les champignons. Oui. Donc en théorie, tout est bon. Ouais, il fait déjà dodo. Ah, ah, ah! J'ai bien fait de faire le tour de la propriété. Là, je pourrais vouer un culte à notre grand maître hibou qui est Aeroster. J'ai une statue de hibou. C'est rigolo comme doux. Waouh. Trop bien, j'ai les wagonnets. Les wagonnets de téléportation. Est-ce que j'ai rangé du sirop d'érable dans le frigo? Ah oui. Oui, 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 que je fasse des choses délicieuses avec. Attends, je vais re-ranger. Voilà, l'épée au milieu, c'est pas plus mal. Encore que le prout-prout d'or... ouais, c'est-à-dire, le temps que l'or fonde, je peux autant attendre le lendemain matin. Charbon, charbon. Les arroseurs aussi de qualité. Ah, ah, il va falloir que je prépare mon printemps, moi. Faut pas que je me fasse avoir, il faut que je prépare mon printemps. L'arroseur de qualité, je crois que c'est des lingots de quartz raffiné, non? Alors, iridium, laisse tomber. Ah ouais, fer, or, raffiné. Fer, or et raffiné. Fer, or, raffiné. Hey, je pourrais m'en faire 9, là. Même plus, avec l'or à faire fondre. Oh, c'est une idée de Christella. Mais elle n'a que des bonnes idées, Christella. Elle est extraordinaire. D'ailleurs, il faut que je mette en œuvre ce qu'elle m'avait dit dans Minecraft, là, le coup de... Il vous reste X minutes de voyage. Bientôt, je mettrai le conseil dans Minecraft, vous savez, dans les phrases qui aléatoirement apparaissent toutes les heures. Vous n'avez plus de cerveau? Demandez conseil à Christella. Elle n'a que de riches idées. Non, sérieusement, j'ai déjà fait une pub pour Christella. Vous le savez, c'est pour les visites touristiques tous les 6 mois. Mais non, mais c'est cool. C'est très très bonne idée. Bravo, bravo. Alors attends, mon cerveau à moi. Le temps que je l'allume, en espérant que j'ai une bonne idée. Préparer le printemps. Préparer le printemps. Là, je vais pouvoir faire au moins 10 arroseurs de qualité. Oh, putain, ça va être bien. Ouh, on va finir par rentabiliser toute cette histoire. Je vais me faire de la tunasse. Ah, agression du chauve-souris. Arteux, c'est la nuit. Et B, la vilaine bait. La 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 la. Putain, pas mal d'énergie dépensée pour Samantha. Alors, émission de télé, j'avais tout regardé. Hein. Ouais, j'avais tout regardé. Il n'y avait plus rien à faire. Le samedi. Qu'est-ce qui se baisse? Ouais, non, là, il n'y a rien. Je vais immédiatement prendre le... Voilà, bouge ton boule, toi. Si tu veux que je te donne de l'eau. Là, bah, le temps qu'il bouge, je vais aller voir les champignons. Oh, c'est rare d'avoir deux champignons violets en une seule fois. Voilà.
Là, c'est le scénario idéal. Je n'ai plus rien à arroser, donc je me barre plus bas. Ah oui, j'ai un... On va... Que demande le peuple? C'est merveilleux. Non, les champignons, c'est pas là que je les range. Je continue à faire du charbon. Les champignons, c'est ici. Samantha s'en va en guerre, on va aller faire la mine. Je serais presque tenté d'abattre les arbres ici aussi. C'est vous dire. Hein. C'est vous dire. Ah! Mais non, là j'ai demandé la carrière. La mine, c'est... Voilà, merci. Je vais plus pouvoir me passer des wagonnets, c'est trop bien. Le temps que tu gagnes, c'est la folie. Alors... Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Oh là là, oh là, oh là, oh là là. Ah ah, trichage, trichure. Trichouille. Là, là, on se croit un peu dans Minecraft, là. Suivre la... Ah! La winnaine. Tiens, goûte de mon maillet, gros vilain. Oh. Merde, il y a un soupçon qui m'arrive dessus aussi. Merde! Je vais peut-être changer d'arme, attends. Oui! Oh la vache! Charbon en cadeau dans le... Non, les ennemis, non. Oh, elle est bien, cette épée. Merde, j'ai pas le temps de... Ah! J'ai pas le temps de péter la pierre et de me barrer. Je vais me faire pop-outer. Ah! Elles sont trop nombreuses, les vilaines. J'ai gagné je sais pas quoi. Non mais si c'est des traités nains, je les ai déjà allés. Ah! Mais c'est sans fin, au secours! On ne panique pas, on ne panique pas. Je vais pas crever, je vais pas crever. C'est la fin de la vague des ennemis. Voilà, je voulais me barrer, merci. Mais je termine mon Stardew Valley jusqu'à la fin du dimanche et je vous rejoins, hein, les garçons. Vous avez le temps de peaufiner les paramètres d'une première partie, de faire les tests dans Prout Prout Game Ranger. Non, 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 ça va mal se terminer mon truc. Oh, en même temps, c'est tellement tentant. Attends, oh, il y a un truc là-dedans, c'est pas possible. Vu l'épaisseur de la surface de sable. Oh, lui, il veut attenter à ma vie, là. Monsieur Goudron. Attends, c'est un traité nain, ça. Oh! Le 4? Bah, je croyais qu'il y en avait que 3. Bah, merde, alors. Ah. C'est un... Attention à ma santé, moi. Hey, je provoque l'ennemi, mais... Ah! Oh oh oh! Il fait quoi, le petit pain? Santé 45? Ouais, bof. Autant que je mange des champignons. Oh, bonne maman. Ouh là là, le stress. Ouh, la prise de risque. Elle est où, la sortie? Elle est où? Merde, je vois rien. Merde! Oh la vache, ce jeu des enfers! Au secours, je l'échelle de sortie!
Je vais atteindre le 95e sous-sol, s'il vous plaît. Je mérite. Ouin. Attends, c'est du délire, là. Ah, non! Une vilain bait. Où es-tu, vilain bait? Oh, merde, il y en a plusieurs. Pas mal. Je me défends. Merde, mais où l'échelle? Et vous allez voir que c'est le dernier caillou que je vais retourner. Ah, voilà. Oh merde. J'ai eu chaud. Là aussi j'ai eu chaud et j'ai eu du bol. Ah oui, attends. Il y a tout qui m'intéresse ici. Attends, j'ai vu un coffre. Ouais, c'est sympa. Attends, il y a du minerai. J'ai encore largement le temps. C'est quoi cette musique à la Jacques Vabre? Oh, lui, il va me guaquer. On va pas tenter le diable, on va se barrer. Oui. Génial. J'ai atteint mon objectif. Un petit coup à la carrière. Ouais, il y a peut-être quelque chose à y faire, non? Oh, le beau cadeau. Et j'ai plus de place dans l'inventaire. Merde. Ah! Allez, mangeons le petit pain étrange. Bloom. Oh la vache. Ça y est, je suis refait avec le petit pain. Le petit pain de la magie du démon. Il y a quelque chose à faire ici. Faudra vraiment que je teste si j'ai pas le droit de guaquer le jeu et de mettre mes tonneaux de confiture ou je sais pas quoi. Regardez, là, il y a des tonneaux, là, donc je peux pas... Et si je faisais le test maintenant? Ce serait pas mal de savoir... Oh, puis elle a de l'énergie à revendre, Samantha. Faudrait que je coupe les arbres ici aussi. Ah, ça bouge, j'entends des sons de Steam. Ah oui, alors le fameux Gunter, ouais, mais il va être trop tard pour lui passer le parchemin des... Le parchemin des trous gnougnouf. Oh la vache, 19 essences du vide. Non. Oui. Donc, mon idée farfelue était de... Ah oui, mais je peux pas... Attends. Parce que là, j'ai plus de quoi faire un tonneau. Imaginons que je veuille faire un bocal. Un bocal, je peux. On va essayer. Pardon. On va essayer de poser un bocal dans la mine. On est d'accord que là, je peux fabriquer le bocal. Si je vais dans la mine... Dans la carrière.
Et oui! Mais oui, j'ai le droit d'exploser. Oh non, mais c'est complètement craqué! C'est complètement craqué! Du slip! Ah ouais, j'ai le droit de faire ça, moi, en fait. Oh! Il y a moyen de feinter! Ah, ce jeu! Waouh, ça ouvre des perspectives d'exploitation intéressantes. Popopo. Eh ben dis donc. Ouais, donc à mon avis, je vous rejoins vers 16h20 pour le Command & Conquer, voire presque 16h30. J'espère que ça vous enquiquine pas, les garçons. AJ va me dire qu'il a le temps de goûter peinard. Parce que moi, ça me permet de faire mon épisode propre de Stardew Valley. Ah ! Oh la vache ! Donc même là où je me trouve, en fait, je peux faire des trucs. Donc là, c'est le bord de la route, c'est un peu abusé. Servez-vous en bière, c'est en train de fermenter sous vos yeux. Les tonneaux à houblon, ouais. Je pense que les confitures, je vais les délocaliser au niveau de la carrière, le long du mur, parce que je ne vais pas en faire tant que ça. Hein. Ce sera du bonus. Par contre, je vais vraiment la faire brasseuse. Samantha, avec un max sur mon terrain, beaucoup de tonneaux de mousse là. D'ailleurs, il faudra que j'en offre une à Pam, donc je vais pas tout vendre. Je vais en offrir à Pam après. Alors attendez. Ma fortune est faite. Je vais être riche. Je dis oui. Je dis oui. Non, c'est pas du tout ça. Ouais, là j'ai des végétaux ici. Il faudra que j'aille voir Pam. Merde, il faut que je reprenne un peu de houblon. Ah oui, alors faites le test maintenant, je vous rejoins dans 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, faites le test maintenant, les garçons. Allez-y, et puis je vous rejoins en cours de route. Ouais, c'est génial, très bonne organisation. Merci. AJ, voilà, qui a fini son goûter à l'avance. Mon Dieu. Ah, ma Dieu. Alors, le glouglou de Zeus qui va bouger son... Ah bah tiens. Comment je dis que je veux délocaliser le bordel? Comment? Comme ça? Ah oui, c'est un peu violent, mais d'accord, ok. Donc ça, ça va virer. Le coffre avec les murs va virer aussi. Et je vais tout foutre à la carrière. Direct. Les champignons... Oh, il y a de la sève de pain. Trop bien. Ouais! Mes champignons classiques. Tranquille. Le bonheur. La 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 la. Ouais. Je
Je me demande si je vais pas offrir à tour de bras des pots de confiture, de gelée, de mûr, à tous les habitants du village. Ils vont être en joie. Pour fêter la fin de l'hiver, ouais! Alors, carrière, mettons les pots de confiture. Les pots de confiture, non! Les tonneaux de macération, voilà. Hop là, hop là. Tiens, je vais me gêner. Comment qu'on les fait déjà? Il me faudra du... Ah oui, de la pierre. Oui, c'est pas grave, la pierre reviendra vite. Tiens, d'ailleurs, là, il va me dire que j'en ai déjà une. Eh, c'est pas con parce que la dynamique de jeu va me forcer à venir ici régulièrement. Vous voyez qu'il y a des pierres qui réapparaissent régulièrement. Donc c'est bien. Ouais, il y a le coffre que je vais mettre, je sais pas où. Où je mettrai le coffre là. Allez hop. Ouais, je vais le mettre en violet, histoire qu'on le voie bien. Alors, hop. Hop. Non. D'ailleurs, je pense que le culte de Hibou Aeroster, je vais le mettre dans l'angle, la statue de Hibou. Ce sera trop stylé. Donc là, je mets les murs là. Tout bénef. Je vais aller voir Pam, la torchée là, du village. Ça parle très mal. Hein. Alors, Miss Pimpette, elle est où? Oh, j'ai gagné du pain. Du pain, du vin, du bourchien. Elle est dans sa caravane. Alors, elle est où la grande? Ding dong! Voilà la mousse de tes rêves. Donne-moi ça. Bois. Ah, ça c'est le pied. C'est vraiment très bon. On sent bien le houblon avec un soupçon d'agrumes et de pain. Mais avec un bouquet robuste pour lui donner du corps. Merci beaucoup. Ça compte beaucoup pour moi. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ouais. Eh, ça c'est vraiment quelque chose. Merci mille fois. Eh ben, elle a eu le droit à une deuxième pinte. Et elle a une troisième. Et puis elle était complètement... Donc c'est bien. Pas ma soif, j'ai gagné 350 pièces d'or. Et ben voilà, j'ai honoré une quête. Trop bien. Oh, élevage d'animaux. Non, mais j'ai trop arrêté. Non, allez, je vais arrêter de donner de la bière. Par contre, je veux bien donner des confitures. Ouh, les gens, vous êtes où? Je vais vous donner vos confitures. T'es où Il est où, Georges? Ah, il est là. Tiens, cadeau. Il adore la confiture. D'ailleurs, je vais en donner à Evelyne, la grand-mamie. Tiens, ma grande. Voilà, oh mon dieu, c'est magnifique, c'est très gentil de ta part. Bah, vous ferez des tartines avec ça. Tu as déjà offert... Oui, non, mais... Un parchemin nain, Evelyne, pardon, mais... Tu devrais faire une bonne soupe pour te chauffer. Elle a pas tort. Et n'oublie pas de porter un manteau. Oui, maman. C'est instinct maternel. Oui, Gunter. Attends. Avant de repartir de par où j'étais passé avec les chariots de mine, là. Eh oui, il va me dire quelque chose sur le parchemin des nains. Les parchemins d'Inebus. Alors, on les rangeait où, les parchemins? Merde, ça bug encore. Voilà. Nouvelle récompense. Ah, c'est ça que je cherchais. Je me disais bien qu'il y avait une mécanique pour savoir parler nain. Je sais parler nain. Je sais parler nain. Vite. Allons voir l'autre nunuche dans la mine. Ouh, je veux parler avec le nain. Ah oui, ça fonctionne. Ah, c'est cool. J'arrive, les garçons. Un jour, il faudra que tu me parles de ce breuvage que vous appelez le lait. Ben, si tu veux, un jour, je t'offrirai une bouteille de lait.
Le nain qui refait la parodie. C'est quoi cette bouteille de lait? Il a que ça à me dire? Il vend rien? Ah! Je me disais, avec un tel étalage... Enfin, un tel étal, pardon. Élixir de vie. Restaure la santé à son maximum. Oh la vache! Huile d'ail. Buvez ceci et les monstres les plus faibles vous éviteront. Moi, ça, je m'en souviens. La petite bombe. Ah, c'est un terroriste, le mec. Tranquille. Oh la vache! Friandise de mineur. Devrez vous maintenir en forme. Plus d'énergie. Extraction minière 3. Magnétisme 32. Épouvantail de collection. Ah, le mini nain. Oh, ça coûte cher, mais c'est rigolo. Cairn de pierre. Waouh. Un sol patiné. Original. Das Spiel funktioniert sehr gut. Aya, danke schön, et je club. My friend. Oh mon dieu, mais non, mais j'aime pas du tout la langue de Goethe. Excusez-moi, mais ça me rend fou. Arrêt de baisse. Arrêt de baisse. Oh le lapinou. Oh, il y a un crocus. Le dernier crocus de l'hiver. Da-da-da-da-da. Mais que faire de tout ce vide? Préparons le printemps. C'est pas comme si c'était la semaine suivante. En plus, j'ai eu un crocus en or. Waouh! Le crocus de qualité ultime. Enfin non, c'est faux. L'ultime, on a vu que c'était en mauve. Ce jeu est complètement craqué. C'est extraordinaire. Alors, en parlant de craquage, je vais peut-être vendre mes récoltes, moi, histoire de me faire de la thunasse. Ah, mais je suis bête! Je pense que je peux faire des cadeaux aux nains. Attendez voir. Social. Oh! Je m'entends bien avec le sorcier. Il y a le nain dans la liste? Parce que c'est un nouveau... Oui, voilà, le nain. C'est un nouveau perso. J'ai encore jamais fait de... Ah, c'est l'été, le nain. Faut que je tâche des choses avec le nain. N'interprétez pas mal ce que je viens de dire, hein, s'il vous plaît. Alors, de la sève de pain, du pain tout court, des lingots. C'est la richesse, c'est le bonheur. J'ai 5 petits cailloux. Attends, qu'est-ce que je peux avec les cailloux, moi? Ne pas faire de ricochet dans l'eau, c'est moi qui vous le dis. Le charbon. Tac, tac, tac. Merde, début d'après-midi, un dimanche. Préparer la saison suivante qui est le printemps. Fabriquer les arroseurs automatiques. Je vais préparer les arroseurs automatiques. Merde, je vois pas le nombre, il m'en faut 10. Ah! Merde, j'ai pas assez de lingots. Non, déconne pas. Ah bah vite, il faut qu'il sorte le lingot de Prout-Prout. Ah non, c'est du quartz raffiné, je me trompe de métal. C'est du quartz raffiné qu'il me faut. Là, je te fais les arroseurs automatiques. Ah oui, à moi la richesse, arroseur de qualité. Faire 15 différents trucs de matos. C'est encore un autre succès Steam. Chabao. Deux succès Steam en un jour, dis donc, c'est que je joue trop bien. Ma croissance maintenant est exponentielle dans Stardew Valley. Plus rien ne peut m'arrêter. C'est extraordinaire. La prochaine fois, on fera le minerai de fer. Ah, attends, je récupère l'arroseur de qualité. Mais je crois que j'en avais fait 10, moi, non? Ah, merde!
J'ai été guaqué, j'ai pas pu faire le 11e. D'ailleurs, est-ce que je pourrais en faire un 12e? Fer, or, raffiné. Alors, le fer, je le faire. Enfin, l'or, je le faire. Oh là, raffiné. Oui, je pense. Oui, bah oui. Oui, magnifique. J'aurais pas dû vider mon inventaire aussi vite. Fer, or, quartz. Fer, or, quartz. Fer, or et quartz. Je vais en faire autant que je peux le temps que l'hiver arrive. Et je vais avoir un max de culture automatisée à l'arrosage. Donc l'arroseur automatique que je viens de faire, c'est celui qui fait les 8 cases tout collées autour de lui. Je vais pouvoir faire un truc organisé merveilleux. Ouh, le printemps qui arrive, il va être rentable. C'est moi qui vous le dis. Je vais vous faire pousser du houblon, mais alors à tour de bras. Je vais faire des mousses toute l'année à tour de bras et m'en mettre plein les fougnes. Alors l'année d'exploitation numéro 2, je vais être riche, c'est obligé. Mais vraiment. Et je présume qu'il y a plein de mécaniques de jeu comme ça, de logique dans Stardew Valley pour se faire de la thune et avoir une dynamique de rentabilité en fait. C'est un vrai jeu de stratégie gestion, hein. Enfin, surtout gestion. C'est énorme. Ce jeu est énorme. Là, j'avais... Ah oui, il faudra que je prépare avec l'engrais rapide aussi. Ouais. Hop, vas-y, fais-moi de l'or. Fais-moi péter tout ça. Et du coup, ouais, j'ai ça. Oh, c'est dingue ça. C'est quoi ça déjà? Iridium. Oh la vache. Journal détrempé. Ah, j'ai encore un petit pain étrange en bonus. Quand j'aurai de la thune à claquer, on fera toutes les géodes d'un coup. Ça va être un festival de tout et n'importe quoi. Bon là, je vais prendre des lunettes cassées pour les recycler. Comment ça, je bois? Ah, c'est le... C'est le bois qui a été fait. Attends. Si je retourne dans la carrière... Si je retourne dans la carrière... Rien à redire. Ah non, mais c'est parfait. Arrête bus. Wow. Le gain de temps avec la téléportation. Qui dit pas son nom. Ou ici qui s'appelle Wagonnet. C'est... Mon dieu. Donc, pour rappel, j'ai ça. Pardon. Ouais, on a un peu... Ah! Sol de rétention de qualité, ça, il faut que je le prépare pour le printemps qui arrive. Il faut que je le prépare pour le printemps qui arrive. Oh non, la fenêtre barricadée, c'est d'un ridicule. Ça ferait d'un sordide. Oh, les jolis portraits de la sirène. C'est beau. Faisons le tour rapide de l'exploitation. Oula, au printemps, les arbres ils vont pousser là-dedans. Ça va être un bordel. Ah oui, j'avais dit que je délocalisais la statue de... d'Aeroster. Oui, on avait fait les champis.
La 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 la. Juste pour placer au fin fond le truc de hibou là. Non mais je peux pas aller plus. Moi c'est très bien comme ça. Sympa d'avoir la statue de maître hibou sur le côté. Ça fait stylé. Oh, c'est jamais fini. Coffre là. J'ai pas beaucoup de glands finalement en réserve. C'est dommage parce que j'aurais beaucoup de glands, je pourrais faire beaucoup de casse-croûte. Les casse-croûtes donnent pas mal d'énergie. L'argile, je fais du sol de rétention de qualité normalement avec nous. Dans la chimie. Engrais. Goudron pas lourde. Rétention de qualité x2. De la pierre et de l'argile. Eh ben je vais m'en faire à tour de bras. Argile et pierre. Ok. Je pense pas avoir de l'argile partout non plus. Attends, je vérifie à deux fois parce que... Comme parfois je me plante dans les... Bon là je sais que j'avais rien. Et là j'avais pas d'argile en rab. Non, c'est bon. Donc, sortie de là. Oui. Oh, oh 89. Wow. Oh, ça sent bon pour l'année d'exploitation suivante. Ça sent très très bon. Voodoo. Pou 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 pou. Oi. Oh. Oh, il en met du temps le lingot de fer. Il se fait désirer le Nalopio. Ah, le voilà. Bon, l'autre, j'attendrai pas hein, parce que il faudra aller au-delà de minuit pour l'avoir. Mais. Et les... Attends, les seigneurs, comment on les fait aussi? Oh, je vais peut-être pas faire autant de seigneurs que ça. C'était comment le truc? Ah, cuivre et bois. D'accord. Mais. Est-ce que j'ai intérêt de faire une saignée d'arbre encore? Merde! Il y a les ennemis qui apparaissent. Oula. Je l'ai guaqué hors de la carte. Ah! La bonne blague. Merde, chauve-souris. Non, je pense pas que j'ai intérêt à faire ça. Je pense pas. Bon, allez, on va sauvegarder et puis. Oui, 91, oh là là. Et puis, Command & Conquer avec les généraux Nayonet et J-Club, là. J'arrive. Oh, c'était trop bien. Oh, le printemps, il va être énorme ici. Moi, déjà 2000 par mousse. 2000 de rations de mousse. Voilà, acheter dans la matinée des graines. Et bosser à mort à préparer la terre. Donc, la semaine prochaine, ce sera... Ah, ce sera énorme! Oh! Oh mon Dieu! Je voulais juste me présenter une prochaine fois. Wouah!
le mec, le militaire là, qui se présente à moi. Incroyable ce Stardew Valley, suite au prochain épisode. Alors, on va changer de catégorie.